Bonjour, je suis Geralt. Ou un sorceleur. Bref, moi voici sur The Witcher 3 où nous allons faire une petite vidéo comme ça, tranquille pépère, histoire de faire le retour depuis les vacances à Rome si vous suivez sur Insta, ce qui n'est pas forcément possible. Bref, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine ni juste cette semaine, enfin la semaine dernière. Parce qu'on était tous les trois à Rome dans un... Oh tiens. Pour un voyage scolaire. On était à Rome tous les trois, c'est bien passé, bref, voilà. Pas non plus vous raconter ma vie. Mais j'ai acheté, enfin, juste avant de partir, j'ai acheté The Witcher 3, et donc on va commencer, ta gueule, on va commencer par une quête. J'ai commencé tout, etc. Il y a une quête principale, mais on va commencer par une petite quête secondaire. Et putain, ce qu'il est balafré, ce con. Pouioui. Bref, j'ai déjà parlé à ce con qui s'appelle Woodis, qui est un nain, forgeron. Voilà. Sa forge, enfin oui, son atelier a brûlé, sa maison déjà. Non, bref, sa forge a brûlé, hein, quelqu'un lui l'a cramé, d'ailleurs je peux pas rentrer dedans. Mais comment il fait pour forger une épée si sa forge a cramé? On est d'accord que là il frappe sur du métal qui n'est pas chaud. Donc il pète son marteau et l'épée, et peut-être même l'enclume. Bon bref, on va finir la quête, peut-être que du coup ça va lui débloquer ce coup. Alors le jeu graphiquement je le trouve beau. Juste des fois quand je suis sur mon canapé, pourtant j'ai pas de problème d'œil ni de lunettes, j'arrive pas trop à voir les écritures des fois. Je suis un peu pas loin. On va parler à ce garçon. Non. Ah bah calme-toi, hein, c'est bon. Quoi? D'accord, bon. Il faut chercher des indices grâce au sens de sorceleur. Ah ah! Du shit. Cuir usé. Je suis en train de piller sa baraque. Le mec, il croit. Hein. Ouais, en échange, je dis qu'il a fait ça. Ramasser. Cuir usé encore. Ici. Ici, il n'y a plus rien à ramasser. Bon. Je peux pas y aller dans la. Ah, c'est surtout derrière, apparemment. On va quand même regarder comme ça. Oh putain. J'arrive pas trop à gérer la caméra. Ah ah! Il y a des traces de pas ici. Alors. Attends. Traces de bottes. Un homme grand. Ça veut rien dire. Hein. Je connais des gens qui ont des. Qui sont petits mais qui ont des grands pas. Enfin, des grandes. Des grands pieds. Ça pue la pisse. Et la vodka. Quoi? Pas très légal ce qu'il faisait. Attends, quoi? Donc le mec buvait de la vodka. La vodka existe dans ce monde, c'est très bien. Bon. Et la piste est ici. Bien. Vous devez être bourré, écoute. Hein. Peut-être qu'on va l'épargner si. Poule. À savoir, il y a une poule là-bas. Est-ce que je peux frapper la poule? Attends, c'est quelle épée celle-là? C'est bon. Alors. Plume. Plume. J'ai frappé une poule. Dans ce jeu, c'est un RPG, donc il faut absolument tout ramasser ce que vous avez devant vous. C'est-à-dire, tout. Une vache quoique c'est un peu gros quand même. Genre les poules, ça peut passer, mais alors les vaches, je suis pas sûr. Ouais, bon, non, on va se calmer. On va pas péter tous les animaux du coin. Bonjour. Et pourquoi? Mais vas-y, on recule. Bref. Faut savoir que dans ce jeu, vous jouez un sorceleur, c'est-à-dire une personne qui est censée tuer les monstres, qui de base, je pense, est un humain. Mais qui suite à des procédés magiques et très bizarres et pas très légal, c'est pour ça que ça diminue toutes ces cicatrices. Hey, attends, oh j'ai une idée. Est-ce que je peux enlever? J'ai compris ce que j'ai dit donc. Ah ces procédés n'a plus, enfin, est plus puissant. Quoi? Oui. Non mais il va pas me refaire tout petit assiette non plus. Oui. Ah, tu me casses les couilles. Bon, il a tout. Qu'est-ce que je disais? Oui. Voilà. Regardez. Il a. Je ne peux pas tourner le personnage. Bon bref, il a des cicatrices un peu si facile, vous voyez. Ce qui est ma foi. Attends, si je me sais ça. Voilà. Il y a des cicatrices un peu partout. Ce qui le rend ma foi. Bon, ça explique des trucs. En fait, je sais même plus ce que je voulais dire. Il est content, c'est bon. Il a pris son épée. C'est quoi si j'enlève son pantalon? Ouais, les bottes, elles sont hyper grandes en vrai. Bref, donc
Donc, continuons à chercher le mec qui a volé ça. Je disais donc, les sorceleurs. Ils ont des procédés magiques, etc. Et du coup, ils ont une vision sorceleur. C'est comme dans Assassin's Creed un peu. Ouais, merde, t'as des noyeurs ici. Merde. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. C'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Canne à pêche, filet de pêche, orin. Orin, ça doit être l'argent. Oh! Qu'est-ce que tu fous, toi? D'accord. Juste, je viens de voir un truc, j'ai ramassé une canne à pêche. Qui doit être, non. Autre. Canne à pêche, vous pouvez entrer aussi au marchand ou le faire démonter pour obtenir des composants d'artisanat. Filet de pêche, vous pouvez... Ah, je peux pas pêcher. Oh, c'est décevant. Et ça, c'est... Or, un monnaie, vous pouvez échanger contre des couronnes à la banque. Ah, d'accord, il y a plusieurs monnaies en plus. D'accord, alors... Donc les orins c'est la monnaie et contre des couronnes. J'imagine que les couronnes c'est la monnaie qui te sert à acheter toutes les conneries du monde. Et à la banque Vivaldi de Novengard. Ces mots c'est à peu près les mêmes noms que dans Skyrim. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Bah, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas. Non, tu vas pas me refaire tout le DLC. Mais putain, c'est bon. Merci. Voici la carte de la région dans laquelle je suis. Chaque point d'interrogation, c'est un endroit que j'ai pas exploré. Alors en vrai, je suis arrivé genre de là. J'ai fait un petit voie. Non, je suis arrivé d'où moi? Si, si. Le jeu a commencé, t'étais là, tu traverses là, là. Non, je pense que tu commences là, tu vas là, là, là. T'arrives là, tranquille, pépère. Enfin bref. Et il y a un griffon qui agresse ce village, sauf que l'endroit, en gros, il vient d'être pris par. Par une autre armée. Et là-bas, c'est un endroit qui paraît stylé, mais qui en vrai n'est pas tant que ça, quoique, en vrai ça passe. Il y a quoi en plein milieu de la flotte? Je pense que ce sera un trésor. Et il y a plein de conneries, il y a un griffon qui a attaqué le truc, et la mission principale c'est de buter le griffon en échange d'argent de la part du mec. Savoir que dans ce jeu, en gros, les sorceleurs sont censés tout le temps, tout le temps, tout le temps prendre de l'argent. Où est-ce que je dois aller? Dans la zone de recherche. Enfin, ce que je veux dire par tout en argent, c'est que genre, les sorceleurs font toujours leurs choses. C'est pas un peu risqué d'aller près de l'eau comme ça avec tous les noyeurs qu'il y a. Des... Non, range ton épée. Tu peux pas 5 minutes te battre à main nue, bordel. Tu peux pas, très bien. Bah, range ton épée alors. Bref. Tic, 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 tic. Putain, mais t'es long à marcher dans l'eau. Moi aussi. Oui. Aha! Quelque chose a jailli des forêts, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Ouais, mais il s'en est pris une. Non, non. Il a perdu ses bottes dans la panique. Vu comment elles sont positionnées, c'est pas vraiment dans la panique. T'as l'impression qu'il les a enlevées pour aller faire trompette. Effectivement, dans le jeu, il y a des noyeurs, c'est des. Pourquoi une barre de vie apparaît? Il disparaît. Genre, généralement dans ce genre de jeu, c'est. Des tirs à l'arc? Maman m'a dit de pas parler aux étrangers. Non. Oh, j'ai mangé. Maman m'a dit de pas parler aux étrangers. Bah, ta mère est une ingrate. Bref. Oh! Des soldats. Nordien. Nordien, ouais. Oui, les sorceleurs ont un QG. Bah, tiens, je vais vous montrer sur la carte du monde. Hein. Non mais tu fous ma gueule, c'est bon, j'ai compris. Merci. Allez, salut. Stop. Merci. Carte du monde, il y a plusieurs régions. Là, je suis à Blanchefleur. Il y a le palais royal de Wizima. On n'y a rien en fait là-bas. L'archipel de Valen, Terre Désolée, Novigrad, ces deux immenses régions qui se ressemblent un peu, j'ai l'impression. Et Kaer Morhen qui est le repère des sorceleurs qui est ici. C'est une région qui doit être aussi grande que la mienne. Et sympa à visiter avec toutes les montagnes. Ça, c'est le château de Kaer Morhen où il y a absolument tout le monde. Quête, tiens, juste pour voir. Alchimie, je peux faire des trucs, je connais rien. Haute-Vinen, va peut-être m'en donner le nom du coup. Fruit de berbérie, j'en ai 1 sur 4, donc ça j'en ai déjà. Et essence d'eau.
Après, c'est gros, c'est un peu tout dans le même univers, tous les jeux, genre même porte à connaître. C'est pas. Merde, c'est un marchand. Comment on se retrouve? Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh bah tiens. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Putain, c'est moitié prix. Moi, juste c'est moitié prix. Après, je sais pas si il le dit vraiment. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Kit de réparation d'armes amateur. Je prends un amateur, moi. Peau de lapin, très bien. Peau de vieille peau d'ours. Je pense qu'il arrive pas à la vendre en même temps. Écoute, ça marque pas le prix. 185 trucs assez jaunes, 250. Vieille peau de mouton d'hiver, très bien. Vieille peau de chèvre, c'est quoi ça? Catapulte, carte de. Ah, c'est des cartes du jeu, oui, c'est vrai. Des cartes de jeu, quoi. Coton, ficelle, page arrachée, décotiction de griffon. Première chaîne, dégâts subis augmentent. Les dégâts subis augmentent la résistance aux dégâts jusqu'au maximum pour le reste du combat. Pourquoi pas? Liqueur de mandragore, bouteille vide. Putain. Chest, eau de vinaine. Ah bah, non, on va pas faire. Et ça, c'est la bière, je crois. Oh. Pardon, excusez-moi. Surtout pas. Bon bah, adieu. Au revoir. Enfin, adieu, on va dire au revoir déjà. Alors, il faut que. Putain, j'aime pas qu'on. C'est un peu un rime, parce que moi, je suis pas encore très fort au combat. Bref, j'ai examiné tout ça. Quelque chose a jailli des forêts, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Ah, peut-être que j'active la. Oui, je suis con, putain. La piste retourne au village. Allez, c'est parti pour retourner au village. Excusez-moi. Non, merde. Bienvenue. Avec un oeil, bien sûr. Au revoir. Comme violence, bienvenue. Au revoir. Examinez-moi. Léger. Blessure superficielle. Je prends très mal. Mais vraiment. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont porté la source qui chassait le monde. Essayons. Comme c'est pas les sept. Oh. Je peux. Vous apprêtez à voler quelque chose, très bien. Vol, les gardes ne tolèrent pas le vol. Prenez garde, ok. C'est bien ce que je pensais, j'ai pas le droit de penser. Mais comment je sais si je vais voler? Alors comment je sais si j'ai le droit? Bon, déjà le garde commence à se réveiller. Bon. J'ai pas l'air de savoir, parce qu'en fait depuis le début du jeu, je ramasse des trucs par pète les mains. Les gardes ont l'air de s'en foutre en même temps, c'est la première fois que je vois des gardes. Par contre des poules... Ouais, j'ai buté deux poules tout à l'heure, vous savez pas? Genre ça, je peux... Bon, ça en même temps, ça me paraît logique, quand je ramassais... des cotinières. Oh, ce bas. Oh. T'es qui, toi? Et pourquoi? C'est un paysan. Et quoi d'autre dans sa ruche, là? Là, il y a un buisson avec pétales de mitre blanc. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Mais pose pas de questions dans ce genre de jeu. Faut tout ramasser. S'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaît. Moi, je propose déjà... Putain, Gérald, l'eau. On vole, je disais, on vole tout. Putain. Ah bah voilà, de l'inan, merci. Alors, il y a rien d'autre ici à voler? À piller, si, ça va éteindre. Enfin, allumer. Ramasser. Fruits secs. Ici, il n'y a rien. On éteint. Merci. On éteint toi aussi. Est-ce que je peux t'éteindre? Peut-être. Par contre, tu râles pas parce que je suis dans. Ouais, vas-y, casse-toi, je crois que j'ai des affaires à faire. Non, mais je connais déjà la mission, je sais que c'est pas. Sinon, c'est un problème. Ça s'appelle ça, et juste pour niquer tout, hop, t'auras pas à manger ce soir. C'est ça le problème de regarder tous les let's play Bob Lennon, hein. C'est juste que bah. Poudre chimique, putain, mais c'est quoi ça? C'est dingue, hein, tout ce qu'ils ont dans leur baraque. J'aime pas le feu. Enfin, si, je suis pyromane, mais bon. Oh.
Il y a rien ici, il y a l'air d'avoir rien. Pourquoi il y a des bruits de vent alors que... Alors que... Ouais. Bonjour monsieur. De noyeur, c'est sûrement lui. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes en état d'arrestation. Vilaine pour... plaie, tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds et les nains, c'est des pires. Capable de tout pour un peu d'or, c'est de la bola. C'est eux qui fourrent des épées au Nilfgaard. Excusez-moi, j'ai niqué toute la cinématique. Enfin bon. Écoute, on peut s'arranger d'homme à homme, je te paye, tu me dénonces pas, ma mère est morte récemment, j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai dépensé, c'est pour toi. Ce que j'ai pas dépensé, plutôt, c'est pour toi. J'en ai rien à foutre, mais. Les nains sont peut-être âpres au gain. Moi, ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Donne tant à cœur joie, ça me fera un peu d'exercice. Et vraiment, je me batte? Vous pouvez pas attaquer. Oh! J'apprends donc jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est reparti. Raté. Raté. Bon chat, bon chat, bon chat. Ouf! Ouf! Alors, il est encore en vie ou pas? Mais pas comme les chances. Alors chez le forgeron et au tronc, un bon conseil. Tiens-toi à carreau. Oula, sa voix elle a pégé. Alors. Let's do this, man. Et voilà. Un ah villageois bon. Pyromane. J'en ai pas un voyage. Toi ? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense ? Là. Hé, hey, soldat. Une minute. Non, Willis, par pitié, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de cette boule. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Eh, assez parlé. Votre prime. Eh, j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un peu. Bah ça, c'est fait. 50 points. Ouh. 20 de money. C'est tout? Et continue à forger. Bon. Alors. Inventaire. Qu'est-ce qu'il m'a donné ce con? Ah non, ça va être herbe de compétence. Genre, je sais pas moi. Personnage. Voilà. Oula. Alors. T'as crafté. Tu montes en haut? Lucie? Quoi? T'es dans ta chambre? Oui, pourquoi?
Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? La porte? Oui, de ta chambre. Pourquoi? Parce que je tourne une vidéo. Ah! Ok, mais je vais mettre la musique sur mon enfant. Hein? Je vais mettre la musique sur ma chaîne. Oui, oui. Ça va, on n'entend pas d'ici. Alors, donc. Mais attends, il m'a dit que j'ai gagné 50 points et il me dit que j'en ai 0. Problème. Problème, problème, problème. Si je veux prendre ça. Est-ce que R sans les sections. Ça marche pas, bon bref, je pense qu'on va faire quelque chose, c'est à dire ne pas suivre la quête principale, parce que là ça me... est-ce que je peux déchuivre une quête? Bon, c'est pas grave, on aura guidement, on va appeler. Bah bonne chance, avec une fronte tu vas pas aller loin. Je me demande vraiment comment il fait pour ne pas tout niquer. Alors carte. Nous sommes ici. J'aimerais bien explorer un petit peu. Un petit peu, ouais. Si nous allions dans cette région-ci. Allez, ici. Et ça fait croix si je fais croix. Bon. Marqueur personnalisé. Allez, hop. Suivons là, ce marqueur personnalisé. Est-ce qu'il va suivre tout seul le chemin? La route, bon, on va couper à travers champ parce que je sais pas que ça va foutre. Allez, c'est parti. Oh, doucement. Non, 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 ok, ton épée. On va dire bonjour à cette personne qui est tue. Bien le bonjour, sorcelle. Bonjour, bien le bonjour, sorcelle. Bon, déjà, au moins, lui est plus poli que les autres. Non, parce qu'on en verra certains, tu dis putain. J'ai l'impression que les sorceleurs c'est maudit. Peut-être bref, il y aura. Allez, alors. Ralentissons la lueur. Ça sauvegarde. Bon. Parti sauvegarder. Bonjour. Un spectre de midi. Ouf, 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 ouf. Oula. Fuite. Recommandé. Cours. Non, tu ne paniques pas, en fait. Il nous suit ? Ah, c'est endurant, je crois que c'était la panique. Alors, j'étais là où j'étais ? Enfin, je... Là où je voulais aller ? Très bien. Eh bien... On va savoir ici, il y a un spectre. D'accord. Enfin, je préfère qu'on aille là. Bon, je... Tant donné que j'ai déjà regardé plusieurs choses sur ce jeu, je sais, par exemple, que les spectres... Enfin, qu'il y a une mission pour tuer ce spectre. Et tu m'énerves, vas-y. Voilà. Donc, on va explorer un peu. Tranquillement. Oh ! Mon Dieu ! Ouf ! Tout va bien. Au galop, Ablette. Non, trop calme toi.
que la blette peut monter là? Non. Est-ce que elle peut monter là? C'est logique. Parce que là, tout va bien. Parce que là, j'ai même que... Oh, attends, est-ce qu'on aura une belle vue là-haut? Merde. Où est-ce que je suis en fait là? Médaillon vibre. Où est-ce que je suis? Juste à côté de la jouette, oui. Ce doit être un site d'énergie. Ceci est un site d'énergie. Alors. Qu'est-ce qu'on fait là? On est un monstre, non? Bon. Bah, il n'y avait pas de monstre. Bah tant mieux. Alors, personnage, vous avez gagné un point de compétence. Très bien. Oui. Ce que là, je comprends. Apprends attaque rapide. Ah oui, non, ça c'est toute mon âge. Ok, 0 sur 5, 0 sur 5, 0 sur 3, 0 sur 3, 0 sur... Comment ça, 0? Ok, bon. Je voulais voir la carte du monde, de base. Donc, ça, c'est découvert. Donc, comme ça, ici, et hop, le sera découvert. Et avant, je voulais aller ici. Le nid du griffon. Hein? Où ce qu'il en reste. Merci pour l'argent. D'accord. Je suis pas censé découvrir ça pour une quête principale de base. Mais je suis... Bah, je pensais jamais que le nid... Bon, on voit pour avoir un nid au fond. Pas analyser, genre je peux pas, genre il peut pas se dire maintenant. Ça c'est marrant, Griffon il est mort. Oh. Épée longue. Dis donc. Oui, c'est bon, j'ai compris. Alors. Écoute. Oui, merci de m'appeler. Monte sur Apette. Allez, oui. Ce. Ma foi. Il va y avoir une maison là-bas. Il va y avoir beaucoup de monstres aussi là-bas. Déserteur. Ah. Raté. Contre moi, chef. Pas. Voilà. Ouf. Ralentissons l'allure. C'est quoi ça? Mais pas moi, je dis, j'ai tout gagné. Alors, savoir, les attaques au cheval sont un peu plus mal que les attaques normales, je pense. Ravioli, il est grand que ça soit lui. Qui de réparation d'un épée d'un vainqueur rouillé. Bon, vraiment, les épées sont pas mieux que les mêmes. Et ici, tissu et pareil, épée d'un vainqueur. Et c'était un camp. Donc il y a. Prends tout. Chemin d'objet. Importer des chemins aux archions qui peut. D'accord. Et j'ai tout pris ici. Purisé. Purée. Putain. Oh, ça, on s'en fout. C'est un camp déserteur sur lequel je suis tombé. Et on va tout fouiller. Pas envie, non.
sur les côtés, il y en a plein, mais... Bon, c'est des ordinateurs, ils ont pas forcément plein de ressources. Quand même, waouh. Il m'a fallu avoir des trucs là-bas. Est-ce que j'ai tout fouillé? Ah, c'est stressant. Bon, bah, on va peut-être sûrement se quitter ici. Putain, mais je pensais que vous étiez pauvre dans ce village. L'autre a dit que je mangeais trop de prunes. Je pense qu'on va se quitter ici et que si vous voulez, je parle un épisode, des trucs, des conneries, des choses, vous le dites. Un chien, est-ce que je peux te caresser? Te frapper? Oui, sûrement, ça je peux. Oh, c'est génial, ma manette, je savais même pas, ma manette change de couleur quand je dégaine l'épée, elle devient rouge. Quand je la regagne, elle devient verte. C'est tout con. Enfin bref, je vous dis au revoir, à la prochaine sur la chaîne pour d'autres conneries. Et plus d'aventures. C'est raté. Bref.